invitons donc le Marne à adopter ces mécanismes à plus grande échelle. Nous invitons également les autres bailleurs, les autres programmes de développement de l'USAID ou autres bailleurs à adopter ce type de mécanisme pour donner plus d'appui encore aux agriculteurs haïtiens qui en ont tellement besoin pour donner à manger à leur famille et au pays tout entier. En espérant donc que les producteurs qui recevront ces vouchers aujourd'hui puissent améliorer assez rapidement leurs revenus et leur production agricole, je vous encourage à accélérer l'exécution de ces programmes et à continuer le travail. Cérémonie, c'était signature de 3 contrats avec des prestataires de services qui pourraient accompagner le ministère là dans le cadre de nouvelles politiques de subvention aux services agricoles pour l'agriculture haïtienne. Côté prestataire de services, ils pourraient aider les planteurs à appliquer un ensemble de nouvelles techniques pour permettre que nous assurions que le rendement agricole a augmenté effectivement. Dans ce sens, la subvention, ça, au lieu que longtemps, ces ministères qu'on a acheté semences ou bien graines de bois pour porter les gens, les planteurs, ces ministères qui ont acheté un grain et puis distribué un grain, qu'on y a avec coupon ça que nous baille agriculteur les mêmes là pour aller nos services bancaires dans commune côté lié et puis les changer coupon et puis l'acheter engrais dans main au monde qui vend engrais dans communauté l'acheter service labourage là dans main on est cap fait service labourage dans communauté l'acheter semence dans mais au monde qui spécialisé dans production semence li en droit besoin cob là c'est pour être capable faire mondage café li fait mondage café en fin de compte ou li capable gain plus facilité pour capable faire agriculture c'est le type d'accompagnement ça que ministère a porté by planteur pour permettre que nous capables de renforcer l'agriculture dans le cadre du premier contrat. Et deuxième contrat, comme on connaît que Haïti a boumé quelques jours pour le mettre en place, un service zoophytosanitaire pour que au niveau de contrôle, port, aéroport, tout produit qui a rentré, tout produit tout qui a sorti, agricole qui a sorti, que ce soit produits animaux que produits végétaux, eh bien, le ministère a renforcé le service de contrôle zoophytosanitaire là pour permettre que nous ayons un meilleur contrôle de produits qui viennent joindre les consommateurs, les produits agricoles. Nous avons un meilleur contrôle de produits qui fertilisent, qui peuvent vendre dans les pays étrangers. Et dans ce sens-là, USDA, le gouvernement et alors. Et, ministère de l'Agriculture dans les États-Unis porté un appui par l'État haïtien, par le ministère de l'Agriculture, côté nous recevoir près de 13 motocyclettes et 6 véhicules et motocyclettes et véhicules SAO pour aller au service de service quarantaine dans port et dans l'aéroport. Là, où il y a 3 prestataires et pour les fournisseurs de services agricoles et 3 prestataires ça yo gagné c'est des firmes haïtiennes qui associées à des firmes internationales qui pour permettre que yo capable arriver faire service offrir service ça et intervention c'est surtout dans les départements du nord et du nord-est et c'est près de 30 000 agriculteurs qui pourra le toucher dans le cadre de service que le ministère de l'Agriculture pourra offrir à planteurs. Évaluation de coupons, de tel chiffre à tel chiffre.
c'est que coupon yo yo fait suivant superficie que agriculteur a metté en a travail. Ou ka wè que gen des coupons qui 15,000 gouttes, gen des lot qui 5,000 gouttes, donc dépendant de taille exploitation agricole là, donc li coupon yo différent. Et c'est dans ce sens ça ou wè que pour café notamment dans zone sud Maniche, ou ka wè que le programme PMDN a bail des coupons, gen des moun ki recevoir un coupon de 2500 goud, gen des moun ki recevoir des coupons de 16050 goud. Donc li lié à taille que agriculteur a mette en travail là. À titre d'individuel ou bien association, moun sa ki bénéficie? À titre individuel. C'est des exploitations individuelles. Gen évaluation fait, comment processus santé pour moun sa ou admis? Gen toute en phase de enquête qui permet nous identifier chaque exploitant agricole. Qui superficie que a cultivé, qui quantité de terre que vous gagnez, et qui type de service que vous avez préféré joindre, et qui culture que vous pratiquez, c'est en fonction de tout paramètre ça que le service vous vient défini et qui permet que vous capable de gagner liste exploitant agricole ça que n'a touché là. Finalité, c'est qui ça? C'est pour nous augmenter la production agricole là, c'est pour permettre que le pays d'Haïti, dans un temps qui n'est pas trop loin, est bien capable. Fait manger pour tête li d'abord pour permettre que moun yo yo capable venir manger en quantité en qualité mais en même temps tout que planter yo fait cob pour capable satisfaire besoin et en fin de compte pour que agriculture contribue à développement économique.